Et rebonjour à tous les amis, rebonjour à tous la famille. Donc nous sommes le mardi 20 avril. Il va être bientôt 15h et je m'apprête à démarrer une nouvelle partie sur mon chantier entretien espaces verts et récup. Donc on rattaque la semaine avec du taf en perspective. Donc aujourd'hui je vous fais découvrir une partie en plus, qui sera sûrement plus simple en travail, mais où il y a quand même de quoi faire malgré tout. Donc là, pour l'heure, je vais attaquer tous les contours à la débroussailleuse, histoire de voir ce que ça donne, et j'espère qu'ensuite je pourrai intervenir sur le reste de l'intérieur avec ma grosse tondeuse que j'ai récupérée, qui est enfin réparée, pardon. Donc pour la petite info, Louis le mécano, si tu regardes ma vidéo, la tondeuse Eden Park, elle m'a coûté 34 euros. Alors c'est pas très très cher, mais il a quand même fallu que je la fasse réparer. Donc il y avait un régime moteur à régler, un réglage carbu à faire et un ressort à changer au niveau de la poignée des gaz et des starters et qui sont reliés ensemble. Donc voilà pour la petite info. Donc bon voilà, je vais vous faire un peu le tour de ce petit jardin intérieur. Bon, rien d'exceptionnel quoi, hein. Je vais m'attaquer les contours à la débroussailleuse de toute la clôture. Ensuite, je vais intervenir le long de ce petit bâtiment là, à la débroussailleuse, le long de la clôture là-bas, au fond là-bas. Et voir un peu après ce que ça donne avec la grosse tondeuse, si c'est facile d'y travailler ou pas. Donc voilà, je vous tiendrai un peu informé. Bon, pas mal d'orties. Ici, des tuiles qui risquent un peu de m'embêter, cachées dans les orties. Donc je vais faire tout mon possible pour mettre ça propre et bien, comme il faut. Donc bon, voilà, quelques ronces ici. J'espère quand même que ça se passera assez bien. Bon, on verra quoi. Voilà, je vous en dirai plus sur ma prochaine vidéo tout à l'heure. Bon, a priori pas de grosses difficultés. Quelques rosiers ici. Là, il y a quelques fleurs, je pense, ici où il faut faire attention. Du moins là, il y en a une toujours, ça c'est sûr. Donc bon, bah, on va voir comment ça se passe, comment ça se présente. Bon, on a une bonne petite surface quand même. Bon, ça, je ne sais pas si je le taillerai à la débroussailleuse, peut-être pas. Mais bon, voilà, ici une pivoine. Donc on va quand même avancer avec précaution le long de ce chantier, pour essayer de pas, pour endommager le moins de choses possible. Et puis ben voilà, je vous tiendrai informé. Tout au cours du chantier, quoi, hein, par d'autres vidéos. Mais bon, il y a déjà un petit peu de taf quand même. Alors, beaucoup moins que sur le terrain, c'est sûr. Mais ma foi, quand même, un peu de travail, quoi. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Enfin, voilà, les amis, je vous tiendrai informé. Quelques artichauts ici qu'il faut sûrement faire attention. Mais bon, voilà, a priori, il y a l'air quand même d'avoir moins de travail et moins de difficultés, quoi. Donc voilà les amis, je vous tiendrai informé sur ma prochaine vidéo durant l'après-midi. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et à très vite bah, pour d'autres infos. Bisous bisous, ciao ciao, bye bye.